Peter, ce match a mis beaucoup de temps quand même à se décanter. Quelle est ton analyse de cette rencontre ? C'était un match serré, deux bonnes équipes. On a su prendre les devants, je dirais la moitié de match. On a plutôt dominé, on a réussi à faire le jeu qu'on voulait. Et c'est vrai que par la suite, ils ont élevé le niveau. Et nous, du coup, on a dû se replier en arrière, faire un peu le dos rond et compter sur un gros Fouki. Et voilà, ça nous a plutôt souri. On n'a pas donné grand-chose, ils ont pas mal de palais, mais c'était pas vraiment dangereux pour nous. Donc voilà, objectif atteint, 3 points à la maison. Voilà, on passe à la suite. Vous attendiez un tel match ? Oui, on avait été prévenus et puis on avait vu les scores de Chamonix, on savait que c'était une belle équipe. Pas mal de défaites, mais souvent de 1 but ou cage vide. Donc voilà, on sait que ces matchs-là, ça joue à des détails et fallait être prêt. Nous, on avait à cœur de rester très solide à la maison pour le public. C'est chose faite, donc on est très satisfait et rester dans le haut du championnat. Donc voilà, on est fiers de nous et on est déjà focus sur Briançon maintenant. Justement, parlons de Briançon, comment aborder ce match ? C'est des matchs pièges. Ils sont en bas de tableau, mais c'est des équipes qui lâchent pas. On sait que c'est très dur d'aller jouer à Briançon, donc à nous de ne pas tomber dans le piège et revenir avec 3 points. Ce soir, tu marques ? Tu es assistant sur un but, si je ne dis pas de bêtises. Je trouve que tu te sens bien dans cette équipe, est-ce que c'est une bonne impression ? Oui, c'est une bonne impression, je me sens très bien. On a une bonne chimie avec Colotti et Yespalov. Voilà, tout le monde touche le palais, tout le monde est sur la feuille de match à la fin. Donc non, c'est un plaisir de jouer avec... Avec les trois, on se complète plutôt bien avec la technique de Yespalov, le côté sérieux défensif de Colotti. Je trouve qu'on est plutôt bien ensemble et en dehors de la glace, on s'apprécie vraiment, vraiment énormément. Donc voilà. Si on peut rendre service à l'équipe, c'est cool. Si on peut se faire plaisir personnellement, c'est cool aussi. Donc voilà, il y a tous les ingrédients pour continuer sur cette voie. Maintenant, ça fait 10 matchs que vous avez joué depuis le début de saison. Qu'est-ce que tu peux dire du groupe après ces 10 matchs ? Je pense que si on nous avait proposé d'être là où on est il y a un mois, tout le monde aurait accepté. Donc content, très content du groupe, très content de ce qu'on donne. On doit énormément tout ça à nos gardiens. Je dis nos gardiens parce que les deux nous ont tenus dedans sur les gros matchs. Donc voilà, après il y a encore des choses à améliorer, on n'est pas parfait, mais même sur nos petites erreurs, on arrive à ressortir avec des points et c'est ça le plus important. Après on voit le lendemain ce qu'il faut améliorer et puis on repart tous au boulot et tout le monde est très sérieux, tout le monde est concentré, concerné. Donc quand tu as un groupe comme ça, tu peux que performer. Donc voilà, pour l'instant ça marche, pourvu que ça dure.